J'ai choisi de représenter Barcelone à travers des personnages inspirés de l'humanité, de la philosophie. Donc c'est pourquoi j'ai par exemple utilisé un personnage qui serait le soir, qui circulerait dans les rues de Barcelone et qui enverrait du feu, mais le feu de la passion, le feu de l'amour, le feu de l'extravagance, c'est une forme de métaphore en fait. Et puis il y a Barcelona, donc un personnage que j'ai appelé comme le nom de la ville, qui est composé des céramiques, comme le faisait Gaudi. Et c'est une façon d'interpréter la vie avec toutes ces facettes qui nous construisent, les choses bien, les choses moins bien, et c'est ça qui fait notre force. C'est pour ça que la représentation de toute cette fissure pourrait paraître comme une faiblesse. Souvent la fissure, c'est une faiblesse. Et là, c'est ce qui construit, c'est ce qui est grand. Dans les monuments de Gaudi, c'est à la fois monumental, fort, et en même temps c'est très fin, comme peut l'être la subtilité humaine, c'est-à-dire un homme peut être grossier dans sa façon d'être, et en même temps il peut y avoir des finesses philosophiques, intellectuelles, d'attention, d'amour, tout ça. Voilà. Naturaleza hace un homenaje a lo que es divino. Más para Pepe que más estocásticoita. Y nos lleva a pensar y a meditar. Mesa con un clima laicis, sobarotas que sofías. En los cronos y para que fantasía. Dentro de un clima de arte y sabiduría popular en el que en el que también paralelamente existe la fantasía, la imaginación. Οι δημόσεις στις χώρες της δικής μας, στις δικές μας χώρες. En nuestros respectivos países, las confluencias que hay es una expresión de nuestra cultura, de nuestros pueblos. Que una diadicasía vivosis tu mito να γίνεται ιστορία και η ιστορία να ξαναγίνεται μύθος. Ακριβώς στις αλλαγές αυτές βρίσκεται ο λαός και Y es una manera para que el mito se convierta en historia y la historia se vuelve a convertir en mito. Estos retratos, a través de mi propia mirada, tienen mía χάρη, mía κομψότητα και mía μεγαλοπρέπεια, αλλά και mía τρυφερότητα συγχρόνως. Tienen una gracia, transmiten cariño, transmiten algo de grandeza también los retratos de Velázquez. Που είναι σαν να είναι, σαν να κοιτάω εγώ την πόλη μέσα από τα πορτρέτα αυτά. Και para mí es como si fuese mi propia mirada, mi mirada hacia la ciudad. Η οποία επίσης μου προκαλεί αυτά τα συναισθήματα. La cual también genera estos sentimientos en mí. Όπως και τα πορτρέτα, οι σκηνές της καθημερινότητας του Μουρίγιο. Como también las de las escenas de la vida cotidiana de Murillo.
θα μπορούσαν να είναι σκηνές σύγχρονες, καθημερινές, στην πόλη αλλά και παντού σε όλο τον κόσμο. Και podrían perfectamente ser escenas de la vida contemporánea de la ciudad.